Ici. La majorité de mes emplois sont pourvus, sauf là où... Eh ben pas du tout. Passer sur de l'éclairage électrique. Alors oui, il y a une pénurie. Mais ça va m'arranger pour deux choses. Et là, je pense que c'est bien joué. C'est que si le français il a fait chaîne de montage électrique, automatique, il l'a dans le baba. Ah mais je pense pas que ça consomme du pétrole. Mais si jamais il l'a fait, ça le fout dans le mal. Putain, j'ai perdu encore plus d'autorité, c'est quoi ce délire? Comment j'ai pu perdre de l'autorité, je comprends pas. Du pétrole, d'où est-ce qu'il vient le pétrole? En Angleterre. Il est détesté lui, ah bah super. C'est pour ça que j'ai perdu. Augmenter la production. Mais mon centre urbain. Poste vacant. Allez, ya. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok, là ça augmente, c'est déjà plutôt pas mal. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Est-ce que le fait d'avoir des conditions de travail en dangereuse? Je sais pas si ça attire beaucoup plus les travailleurs. On sait jamais, on va essayer. Ok. Contrôle migratoire. Mais tu trouves qu'il y a besoin du contrôle migratoire avec, avec nos 90 000 emplois à pourvoir? Ils sont couillons, eux. T'as rien compris encore. Ok. Alors, on va faire ça. J'aurais bien mis ça. Comme ça, mais pas de pétrole, pas d'élec. Pourquoi il y a besoin de pétrole pour ça? Je comprends pas. Je pourrais retirer les secteurs de construction. Ça ferait gagner 20 000 emplois. Pas ça fiable. Là, il y a personne. Ouais, j'ai pas assez malgré. Ah, c'est limite. Allez, on va remettre un niveau au cas où. Ouais, tu vas me dire. Pas subventionné. Oui. Solde hebdomadaire. Ah, on est bien en plus.
80 000 emplois, quoi. Oups. Ouais, et je crois que suffrage universel des femmes. La technologie, agitation politique. Ah! Droit des femmes à travailler. Je l'ai pas mis, ça? Hein? Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Attendez. Qu'est-ce que c'est? L'amélioration du réseau routier entraîne une hausse du trafic en Luxembourg suivie par une augmentation substantielle de la pollution. On est en 1893, frère. En ces temps difficiles, suivant l'ère post-industrielle, l'obscurité demeure. La nuit se fait plus claire que le jour, illuminée par l'éclairage public. Les maisons de la classe moyenne et les feux de camp allumés dans les quartiers les plus défavorisés. Mais les jours ont perdu l'éclatante lumière du soleil, que l'on croyait éternel jusqu'à aujourd'hui. La fumée ne s'élève plus seulement des usines, puisque les pots d'échappement des voitures dégagent aussi de vapeur grise par-dessus la toux persistant les habitants. Petit discussion en montagne, on n'en parle plus. Attends, mais j'ai vraiment le taux de pollution. Diminution du taux de pollution en 2. Je ne sais pas. C'est la première fois que je tombe là-dessus. J'ai du fric, autant l'utiliser. Voilà. Par contre, je savais pas qu'il y a un truc comme ça. C'est où? C'est dans le vue d'ensemble? C'est où? Je sais plus. Attractivité basse. Merde! Comment ça, basse? Hein? Ah mais oui, mais c'est à cause de l'autre loi de merde là. Ok, très bien, je vais pouvoir changer ça. Donc, annuler, entretien des routes. Et, oh. Putain. J'ai de la prod, mais... Je peux pas retirer ça. Il me faut campagne de terre d'accueil, mais je peux pas retirer ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai plus de 20% de production, quoi. Je sais même pas, honnêtement, je sais même pas si je suis toujours premier dans mes autres productions. Premier en verre, en porcelaine. Deuxième en vêtements de luxe. Bah ouais, ouais, ça m'a baissé à force. Merde. J'ai pas le choix. Arrêtez, j'ai pas le choix. Ça me fait baisser énormément de production. Mais j'ai pas le choix. Ah ouais, en plus il m'a bien dépassé. Hein. Aïe, ah, oh, on dit. Ah, les deux dépenses supplémentaires là. Ça commence à piquer un peu. Hein. Oh putain. Oh putain. Plus combien là? Ça va augmenter, hein. Ça va augmenter tout ça. Hein. Voilà, plus 150 000 annuels. Mais c'est pas beaucoup, en fait. Putain, ça me dit vraiment 150 000 annuels, mais... Ah oui, mais pas que des travailleurs. Bah oui, forcément. Un truc que j'avais vu aussi, c'est un propriétaire. Mais je peux pas. Parce que là...
J'attends. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Appel au suffrage des femmes? Ah, mais je suis déjà dedans. Ah, au moins, si, si. Agitation politique. Et là, je crois que c'est ce que je suis en train de rechercher, là. Ouais. Ok. Ok. Là, on est bien. Heureusement qu'on a quelque part où on est bien quand même. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Ah, oh. Il nous manque encore 60 000 travailleurs. Allez les gars. Je crois avant vous, comme on dit. Améliorer les relations, puis bah hop là. Petite pause bio. Là, normalement, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Petite pause bio. J'ai du recrutement à faire. Pas de voix en cours. Vote en cours. Hop là, je suis de retour. Alors, il s'est rien passé. Apparemment non, ça a l'air de bon. Encore 17 mois. Ouais. Ouais. Ah, on a du sans-emploi. On a pas mal de sans-emploi. Tu peux pas me dire que ça c'est déjà tout pourvu. Non. Hey, les gars, ça recrute là le centre urbain. Hein. Allez travailler là plutôt que de glander. Non, ok. Ouais, après les biens de consommation qui sont assez chers aussi. Hein. Je m'étonne. Ça devrait baisser avec le temps. ,400. Allez, 128 400 là. Y a moyen d'arriver à 135 000. Allez-y quoi. Ils sont peut-être pas assez payés. Un truc comme ça. Pénurie de biens entrants, ouais. C'est fou. Ça me fera gagner plus de fric de repasser au charbon, quoi. On va repasser au charbon. Là. Moins de service, mais c'est pas grave.
ça coûte rien. Ça coûte normal. Ça, ça coûte cher. Ça coûte un peu cher. Eh, vous êtes 7000 les gars, là ça recrute là-bas. Allez-y, je sais pas. J'ai quand même fait subventionner. Tu me diras, j'ai les moyens, mais ça fait chier. Pardon? Mais c'est quoi le salaire là? Ça les a sortis d'où là tous ces... Ah non, moi je suis boss, c'est même pas ça. Hein. C'est pas que je veux pas. C'est beaucoup trop cher. Alors, j'ai full employé, hein. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent, hein, d'ailleurs. Hein. Je vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée d'où ils sont venus. Là, c'est complet. 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 Là, c'est complet, mais c'est quoi de dire? Et ça, ah, je l'ai pas ça, ouais, mais je l'ai pas non plus. Bon, on va pouvoir reprendre la construction de nos bâtiments, je suppose. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais 85, mais dégage, mais putain, mais arrêtez de dire des gens que les gens ils aiment pas, c'est quoi ce bordel? Ah, réfléchissez un peu. C'est pas vrai, mais c'est quoi ça? Mais... Putain, mais... Je sais pas, ouvrez les yeux, bordel! C'est un putain de bandit! C'est un putain de bandit qui est haï en plus! Moins 85! Bandit et impérieux! Non mais, oh, dégage! Dégage de là! Vraiment, dégage! Meurs! Je ne sais pas quoi faire de toi! Ludwig Lasquet là, le Ludwig Lasquet de mes couilles. Y'a pas moins que je te recrute et que tu fasses autre chose là? Pas de chance. Ah! C'est pas vrai. Sans emploi. 15 000? 15 000 sans emploi? J'ai envie de continuer sur eux. Voilà, une noble cause. On va promulguer la loi sur le suffrage des femmes. Enfin, syndicat de travailleurs, vous n'êtes pas content, c'est pareil, vous fermez votre gueule. Conservateur libre, c'est lequel celui-là déjà? Oui. Je suis obligé, hein.
Ils sont beaucoup trop présents là. Moteur à combustion. Non, ça n'a rien d'intéressant, dommage. Jules Machin, alors Jules Machin. Popularité neutre, déjà. Déjà, j'aurais pas de malus. Au niveau du de l'autorité, parce que là, moins 85. Et j'ai même pas de quoi subvenir à terre d'accueil, sérieux. Autorité, zéro. Zéro. Ah, ça pique. Ouais, bon, j'ai toujours ça qui est subventionné. Qui est sacrément subventionné. Ah! J'ai quoi de différent? Ouais, ça augmente encore les emplois. Non, 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 j'en veux pas. Même limite. Ça me coûtera moins cher. Ouais, je produirai moins de services, mais c'est pas très très grave. Je vais refaire place de marché classique. Ouais. J'arrête de subventionner. Et là, les sans-emploi, ouais, ils ont été directement réembauchés dans les nouvelles usines. C'est bien. Vue d'ensemble. Infrastructure. 115 sur 123. Ok. Ça m'en laisse 8. Il va falloir que je fasse une voie ferrée avant. Hop là, on va faire une voie ferrée en prio. Ça je veux, ça je ne veux pas, je ne veux pas forcément, ça non je ne veux pas du tout, ça je m'en fous, non ça ça sera pas, je suis pas contre mais je m'en fiche, ça j'en ai besoin, j'ai besoin de travailleurs, viens aider ma bande comme on dit. Célèbre dramaturge en faveur de la réforme. En plein débat sur la loi suffrage des femmes, l'un des plus grands dramaturges du pays, fortement lié au groupe d'intérêt dit intellectuel, a mis en scène une pièce acclamée par la critique dont le thème politique ne cache pas le souhait de l'auteur de voir la loi adoptée. Le point de vue de cet homme a beau être biaisé, vous ne pouvez pas contester la beauté de sa prose. Ça me va. Ça me va, plus 10% de probabilité de promulgation de la loi. C'est impeccable. Une bonne partie des postes est pourvue quand même ici. Quelques sans-emploi, mais vraiment rien de bien méchant, qui vont très très vite être absorbés là dans 2 semaines. On va plus en avoir. Hop là, enfin un petit moins 5000 déjà. Chut. Hop là, moins 5000. Et encore moins 5000, enfin moins le reste. J'ai même pas assez d'immigration, c'est fou. Population. Mortalité 1% par an, ça c'est bien. Ça, j'ai bien réussi à gérer ça.
On va augmenter ça. Conditions de travail dangereuses. Affaires intérieures et maintien de l'ordre public, rien à foutre. On est tellement pas de radicaux que... On a eu un pic à 5000, à 6000, ouais quand même. Le plus gros pic de toute la partie, 6000 radicaux. Purée, j'aimerais bien que ça me fasse pareil dans plein de... enfin, dans toutes mes parties quoi. Elle est pas passée la loi, ah putain. Augmentation quand même de 15%. Ça me va. Déverrouillé. Ah oui, ça pourrait me permettre ça de faire... Ça me déverrouille la technologie soudage à l'arc, je crois. Actuellement, j'ai... autre chose, propagande de masse pour l'autorité. Parce que j'en ai pas d'autorité, y'en a plus. Il n'y a rien d'autre qui veut me donner un petit peu d'autorité, s'il vous plaît. Oh, je suis pas très très regardant hein, sur, sur le truc, mais... Non, bon, mais pas. Ah, ça, je m'en fiche. Oh, le niveau de vie... C'est abrutissant. Par contre... Ok, je suis redevenu premier producteur mondial en porcelaine. Purée, je suis passé troisième. Aïe, 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 aïe. Troisième en vêtements de luxe. Yeah. J'étais premier. Et alors là, bah alors là c'est deuxième, mais de loin. Un lointain deuxième. Aïe 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 aïe. Pas être facile ce. Plus la partie avance, plus c'est compliqué là. En fait, faudrait que je blinde les usines d'un coup quoi. Et le problème c'est que je n'ai point assez d'électricité pour pouvoir faire les améliorations nécessaires. Et tu veux pas produire un peu plus? Produis de l'élec s'il te plaît mon ami. Moi je peux pas. Ça me demande trop de qualification. Ok, j'ai un peu moins de taux de natalité, 5% c'est pas énorme. Plus 15 de ratio de main d'œuvre, ça c'est bien. Ok, les deux premiers sont complets, là c'est complet, là aussi et là aussi. Tout le monde a été recruté, voilà, ça a plus qu'à recruter ici. 141 500. Infrastructure, parfait. C'est parfait. Tout pile ce qu'il faut. Là, ça recrute bien. C'est l'électricité, aïe aïe aïe.